Dis donc Internet. Cette semaine, nous sommes à Villejuif. Je crois que c'est mon record de tournée pas loin. On est au sommet de tous les gars. J'ai joué à Roissy-en-Brie, j'ai joué à Villiers-sur-Marne, on était pas loin de Paris. Là, on n'est même pas au bout de la ligne 7. On est à 15 minutes à pied du théâtre où je joue d'habitude. Derrière, c'est les plus gros paresseux de la planète. Vous êtes des flemmards, c'est vraiment les gars, il vient chez nous. Cette semaine, je me suis fait voler mon identité sur Instagram. Et je vais, ouais, on peut dire qu'il y a un mec qui a créé un faux compte Instagram pour arnaquer les gens. Et il aurait pu choisir Maître Gims ou Kev Adams, tu vois. Mais non, il s'est fait passer pour Verino. C'est qui pèse dans le game? C'est Wham ou c'est pas Wham? Et en vrai, ce qui est bizarre, c'est que les gens ont cru que c'était vraiment moi. Je vous explique pourquoi. C'est parce que moi, mon nom sur Instagram, c'est Verinaz. Et lui, il a pris Verino officiel. Et moi, jamais de ma vie, j'aurais pris Verino officiel. Parce que jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'il y avait possiblement des Verino pas officiels, tu vois. Donc, j'ai pris Verinaz. Lui, il a pris Verino officiel. Et maintenant, quand t'arrives sur Instagram, si t'as le choix entre Verino et Verinaz, tu prends qui? Même moi, je vois le truc, je suis putain, Verino officiel, dis donc. Et en vrai, je m'en fous un peu que le mec il ait pris mon nom, sauf qu'il y a des gens après qui sont venus, ils disent ouais, c'est dégueulasse, le mec il fait gagner des iPhones, c'est même pas vrai et tout. Je dis bah oui, mais là, je veux pas être méchant, mais bon, si un jour il y a un mec que tu connais pas qui fait semblant de te faire gagner des iPhones sur internet en tirant au sort ton nom, bon, si t'y crois vraiment, soit t'es extrêmement optimiste, soit t'es un petit peu con. Donc j'ai joué. Parce que je suis extrêmement optimiste. Et j'ai gagné. Parce que je suis dans le game. J'ai vraiment gagné. Le mec il m'a dit ouais, il y a plus qu'à envoyer ton numéro de carte bleue et tout ça. Pour avoir le truc. Je me dis non mais les gens sont pas cons à ce point là quand même. Tu vas pas envoyer ton numéro de carte bleue pour vérifier ton identité. Et en fait pas du tout, c'était pour payer les frais de port. Donc je reçois mon iPhone demain. Merci Verino officiel. Et ce soir, j'ai une soirée chargée aussi parce que j'ai gagné un autre truc sur Instagram là. J'ai suivi Jean-Vincent Placé officiel. À lui, il offre des coups à boire à tout le monde, c'est merveilleux. Jean-Vincent Placé, c'était tout le monde en parle, vraiment. Mais la réforme de la SNCF, ta gueule, il était bourré. Mais Sarkozy, la Libye, il était bourré. Jean-Vincent Placé, qui est l'ancien secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Voilà. C'est ça, c'est vraiment le premier truc à simplifier, c'était l'intitulé de son poste, mais il a pas touché. Et donc cette semaine, il s'est fait arrêter parce qu'il était en état d'ébriété dans un bar, et puis il disait à tout le monde « je suis ministre », tu vois, on peut pas lui en vouloir quand même. 2h du matin, 2 grammes dans le sang, franchement. Je suis pas sûr que vraiment c'est le moment d'expliquer au videur « Alors, j'étais l'ancien secrétaire d'État à la commune, chargé, pardon, l'ancien chargé du secrétaire !» De l'État! Et je... Tu sais, au bout de 2 minutes, il abandonne. Hey, je suis ministre, ta gueule. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il était pas tout seul dans un bar, il était avec un de ses potes, et puis il s'est fait arrêter parce que, en fait, dans ce bar-là, il est allé voir des jeunes filles, et puis il leur dit, ouais, faut que vous dansiez pour mon pote. Et il y a une fille, elle fait, non. Il a dit, je te paye. Et elle fait, non. Et donc, il a fait, sale pute. Et donc, voilà, une soirée normale à Paris, hein. Je sais pas pourquoi ils étaient surpris. Putain, j'aurais tellement pas aimé être le pote, c'est terrible. Hein. C'est souvent moi, le pote qui est derrière fait « désolé, excusez-moi, non vraiment, c'est pas lui, il est... Tu parles pas comme ça d'habitude, Jean-Vincent, mais ta gueule, tu te rends bien compte, mec. Mais ta gueule, sale pute, hé, hey, danse pour mon pote, danse !» Non, Jean-Vincent, vraiment, vraiment, c'est... Allez, j'ai pas envie de danser avec vous, je suis désolé, c'est pas contre vous, mais c'est juste... Putain, il est où là? J'ai l'impression de gérer un gamin de 2 ans, mais lui... Oh, mais arrête de toucher ton zizi. Mais ne... oui, c'est un zizi de ministre, mais ça n'est pas. Oh. Donc il s'est fait embarquer par les flics et il leur a dit « Tocard, tu sais à qui tu parles ?» Ce que je trouve absolument génial. « Tocard, tu sais à qui tu parles ?» Alors Jean-Vincent, si tu penses qu'en disant cette phrase aux policiers, ils vont te laisser partir, soit tu es extrêmement optimiste, soit tu es un petit peu... Hey Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs à 22h maintenant sur Facebook. Et un grand merci à tout le public de Villejuif qui était présent ce soir.